Portugal, au terrain de basket, c'est un lieu de rendez-vous entre amis. C'est, y a pas de prise de tête, on vient s'amuser, c'est plus gay. J'ai toujours habité à Paris, je sors depuis très jeune. Je sentais qu'il y avait plus le côté un peu underground qui se perdait un peu dans Paris. Je traîne toujours avec des garçons parce qu'en fait, je sais pas, j'ai que des potes mecs. J'ai pas mal d'énergie, en général, je fais mon show. Quand je vais à Piga, c'est vraiment familial, c'est pas du tout une no-go zone, c'est juste un lieu où ça vit. En... Je pense pas qu'il y ait vraiment une no-go zone, quoi. C'est justement là où il faut aller, quoi. C'est vivant, en fait, t'as pas peur. Qui viennent voir d'eux-mêmes, ouais. J'adore Paris, c'est tout un monde en fait. C'est la jeunesse de Paris, c'est la team. En soirée, c'est vraiment là où je me sens le plus libre, mais personne ne regarde les autres mal selon leur look, selon leur quoi que ce soit, tu viens comme tu veux, et enfin, c'est vraiment ce qu'il fallait, quoi. Genre, dans une bande de potes, c'est quand même... Enfin, tu vois, il y a plein de milieux, plein de cultures, c'est trop cool, quoi.